Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective qui a marqué la semaine. Donc, voici d'abord les principaux titres. Les nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires dans les pharmacies, les écoles et paramédicales sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Et l'Ordre des pharmaciens du Burundi salue cette mesure du ministère de la Santé publique portant la suspension des nouvelles demandes d'accréditation. Certains habitants de la cellule Nyalumanga, zone hôtelière de la commune Nahangwa, sont préoccupés par le manque d'eau potable. Voilà, le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Les nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires dans les pharmacies, les écoles paramédicales sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Cette décision a été prise par le ministre de la Santé publique au cours d'un point de presse de ce mardi. Le ministre Lydie Nebaradahana a indiqué que l'une des raisons de cette suspension est l'anarchie qui s'observait dans l'implantation de ces structures. Suivez-la. En vue de protéger la santé de la population, d'offrir des soins de qualité, de renforcer la régulation du secteur pharmaceutique et le contrôle de qualité des médicaments, de renforcer la régulation des formations sanitaires, des laboratoires, des centres optiques et d'offrir une formation paramédicale de qualité, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance du public les mesures suivantes. Les nouvelles demandes d'autorisation d'ouverture au public des structures privées, c'est-à-dire les pharmacies de gros et de détail, les centres de santé et les centres médicaux, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seuls les dossiers dont les demandes ont été enregistrées au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avant la prise de cette décision bénéficieront du traitement conformément aux normes d'accréditation et au plan d'extension de la couverture sanitaire en vigueur au Burundi. Les médecins directeurs des provinces sanitaires sont instruits de surseoir au traitement des nouvelles demandes d'autorisation d'ouverture des pharmacies, des centres optiques, des centres de santé et centres médicaux, des laboratoires d'analyse médicale, des écoles paramédicales et de tout autre établissement de santé. Pour les demandes de renouvellement des autorisations d'ouverture au public des structures privées, les promoteurs et les responsables dûment mandatés par ces derniers par un acte notarié sont les seuls autorisés à introduire cette demande de renouvellement auprès des services techniques du ministère. Les demandes d'autorisation de transfert d'exploitation des pharmacies et des autres établissements de santé sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les pharmacies de gros et de détail, dont les demandes de renouvellement n'ont jamais été introduites, conformément aux normes en vigueur, sont en situation d'irrégularité et par conséquent sont fermées au public. Les médecins directeurs des provinces sanitaires, les médecins chefs de district, en collaboration avec l'administration territoriale, sont chargés de veiller au respect des présentes décisions. Sur ce, l'Ordre des pharmaciens du Burundi salue cette mesure du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida portant suspension des nouvelles demandes d'accréditation sur les structures sanitaires. Cela étant, le pharmacien Serge Halindogo, président de cet ordre, a indiqué que ce n'est pas pour la première fois que cette mesure soit prise, mais le constat est qu'elle n'a pas été prise en considération. Espérant que cette fois-ci, cette mesure sera prise en considération. Pour les pharmaciens, il n'y a pas grand problème. Seulement, ces pharmacies qui fonctionnent sans pharmaciens, je conseillerais aux propriétaires de chercher à engager des professionnels
ou alors de se retirer du secteur, comme dans tous les pays du monde. Si on n'a pas de pharmacien, on ne peut pas entretenir une pharmacie. C'est dangereux pour la population, c'est dangereux pour les malades. Il y a des normes au ministère de la Santé. Mais la première chose, c'est d'avoir un personnel qualifié. Les autres choses sont liées aux locaux, à l'aération, aux conditions de stockage des médicaments. Aujourd'hui, figurez-vous qu'on voit des pharmacies dans des conteneurs, presque dans des conteneurs, dans des maisons sans fenêtres, où la température avoisine les 40 degrés, alors que les médicaments devraient se conserver. C'est précisé dans les notices. Il est très rare qu'on trouve un médicament qui doit être conservé au-dessus de 25 degrés. Mais ce n'est pas ce que l'on observe dans les pharmacies aujourd'hui. Donc, il peut y avoir, si ces médicaments sont mal conservés, il peut y avoir un vieillissement accéléré. Ça veut dire que la date qui est indiquée sur la boîte ne sera plus la même. Donc, les patients vont consommer des médicaments périmés depuis des années, malgré la date qui n'est pas encore arrivée. Les citadins en mairie de Bujumbura apprécient positivement la décision du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida portant suspension d'accréditation des structures sanitaires, y compris les pharmacies. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Sangani le souhaitent qu'il multiplie le suivi et le contrôle rigoureux dans les activités de ces pharmacies. Il voudrait également que celles qui ne remplissent pas les conditions exigées soient suspendues afin de ne pas exposer la santé humaine aux risques. Suivez-les. La décision du ministre d'arrêter la mesure d'ouverture des pharmacies, nous l'avons bien accueillie. Parce que c'est une mesure très importante pour ne pas autoriser les pharmacies qui ne remplissent pas les conditions à fonctionner. Nous demandons de bien continuer le suivi de ces pharmacies pour éviter les dégâts qui peuvent se présenter. Si vous circulez dans les quartiers, vous allez trouver qu'à chaque avenue, vous allez trouver des pharmacies. Mais on se pose la question, est-ce qu'il arrive à trouver des clients? S'il n'arrive pas à trouver des clients, est-ce que les médicaments ne peuvent pas être périmés? Donc c'est ça ma préoccupation. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère de la Santé publique doit être contre le sida, donc le suivi régulier pour voir réellement ce qu'il faut, la vente des médicaments, et voir aussi donc, ce qu'il faut, la vente, là je dirais le personnel. Donc les pharmaciens, pour voir réellement s'ils sont qualifiés donc, à la vente des médicaments, sinon ça peut être aussi un défi pour la vie humaine. Nous avons bien accueilli cette mesure du ministre parce qu'il y avait quelques pharmacies qui fonctionnaient sans remplir les critères de pharmacie. Nous demandons à ces médecins et ces pharmaciens de mieux travailler et de mieux vérifier si les médicaments qu'ils nous fournissent ne sont pas périmés. Nous souhaitons que le ministère multiplie des suivis et contrôles rigoureux et laisse celles qui remplissent les conditions à bien fonctionner. Je vous le disais dans les titres qui a marqué cette actualité rétrospective que certains habitants du quartier Nyarumanga, en zone Wuterere de la commune Nahangwa, sont préoccupés par le manque d'eau potable. Ceux qui possèdent des robinets affirment qu'ils viennent de passer à peu près 8 mois sans l'eau de la régie des eaux. L'administration à la base, et de même que les habitants de ce quartier, demandent à cette entreprise de leur approvisionner en eau potable car ils utilisent l'eau des puits et qui est souillée. Et les sociétés d'assurance du Burundi comptent assurer dans le futur la vie des victimes des catastrophes naturelles. Ceci a été annoncé par Renova Gahungu, président de la coalition des sociétés d'assurance et assure. Lors du lancement de la semaine dédiée à l'assurance, ce lundi, le président de l'Assure a aussi indiqué que bientôt, les compagnies d'assurance s'engagent à recourir à la digitalisation dans le paiement des assurances aux victimes et des accidents affiliés à ces sociétés d'assurance. Suivez-le. Au courant de cette semaine, nous allons nous atteler à un thème un peu importants et qui sont aujourd'hui d'actualité pour le marché burundais comme les autres marchés.
Nous allons développer, par exemple, l'apport de la digitalisation dans le développement de l'assurance. Vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'il vous faut transférer de l'argent, vous le faites via vos téléphones. Il faut que également vous soyez en mesure de prendre votre assurance par téléphone ou que vous soyez en mesure de consulter ou de vous adresser à des compagnies à travers vos téléphones sans pour autant se déplacer. Nous allons également parler du rôle de l'assurance dans la prévention des catastrophes naturelles. Vous voyez les catastrophes qui s'annoncent ici comme ailleurs. Et je crois qu'ailleurs où l'assurance est développée, ces catastrophes sont couvertes par la police d'assurance. Si je donne l'exemple des inondations qui font bouger les gens sur tout le long du lac Tanganyika, là, ça devrait être couvert, ça devrait tomber dans la couverture de l'assurance pour essayer d'atténuer l'impact que cela cause aux ménages et à la République et au pays, si je peux dire ainsi. Nous allons également travailler, essayer de voir comment est-ce qu'on peut propulser ou inculquer le développement de l'assurance agricole sur notre marché. Vous voyez, le pays vit à plus de 70% de l'activité agricole. Il faut que l'assureur intervienne dans le développement et dans la protection et dans l'encouragement et dans la couverture des risques que peuvent subir les agriculteurs. Et du coup, il pourrait y avoir un développement agricole quitte à même développer des cultures d'exportation pour essayer un peu de gager de vie, si je peux dire ainsi. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons en point final à cette actualité qui a marqué la semaine. Bonne suite de programme à la télévision Sanganiro.